Hey! Salut à toutes et à tous, c'est Ruby! Et on se retrouve pour l'épisode 12 de mon playthrough sur Undertale. Dans l'épisode précédent, on a fait plein de puzzles. Toujours plein de puzzles. Ce jeu est rempli de puzzles. Et on a, comment dire, on a fait un reportage que je qualifierais d'explosif. Mais Metaton nous a mis dans la peau d'un reporter qui pète, qui a du peps, c'est de la bombe. Désolé pour ces jeux de mots pourris, j'en explose de joie. On va arrêter. Enfin bref, là on s'était arrêté devant une tanière d'araignées, hein, on peut reconnaître des toiles là, enfin des toiles. Du tissu. J'ai réussi à le dire, hein. Du fil d'araignée, voilà. Et ça annonce rien de bon. Eh oui. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai un item qui nous permettra de surmonter ce problème d'araignée. Allez, c'est partoche. Ah, est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'un humain qui portait un t-shirt rayé va venir ici. Et j'ai entendu qu'il détestait les araignées. Et j'ai entendu dire qu'ils aimaient les écraser. C'est pas bon tout ça. J'ai entendu qu'ils aimaient leur arracher leurs pattes. Ouh! Et j'ai entendu. Qu'ils tenaient à leur argent. Ah, chuchu. Ah, tu penses que ton palais est trop raffiné de pour nos pâtisseries, n'est-ce pas, mon cher? Je suis en désaccord avec cette notion. Je pense que ton goût sera exactement comme le prochain, je sais pas quoi. Nous rencontrons Muffette qui est une araignée toute gentille, toute kawaii. Voilà. Mais on va lui prouver qu'on se trompe. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un spider de net dans les ruines au tout début de mon playthrough. Je vous ai dit que cet item va servir, et ben il va servir pour ce combat exactement. Alors, tu as mangé le Spider Donut, tes HP sont à fond, hein? Mais où as-tu ceci? L'as-tu volé? Oh, mon animal, il est temps de faire voir ce que nous réservons aux voleurs. Hein? Un télégramme des araignées des ruines? Quoi? Ils ont dit qu'ils t'ont vu et que tu les as aidés et à donner pour leur cause. Oh, mais... Oh, je pense que c'est un grand malentendu. Je pensais que tu étais comme ceux qui détestaient les araignées. Et cette personne qui a demandé par cette âme... Ils ont peut-être dit un différent humain avec un t-shirt rayé. Désolé pour tout le trouble que j'ai pu faire. Que je l'ai fait à toi. Et tu peux revenir quand tu veux. Il n'y aura aucune charge. Je vais te ficeler et tu pourras jouer avec mon animal de compagnie à nouveau.
Je plaisante. Je vais t'épargner maintenant. Et voilà comment faire ce combat. Mais... Excusez-moi. Mais, je vous ai réservé un petit bonus. Il y aura une annotation qui va apparaître sur l'écran. Faudra cliquer et dans ce bonus, je ferai le combat avec Muffet. Voilà, voilà. Et chuchuchu, ça a été fun. Et nous nous verrons plus tard, mon cher, ma chère, mon cher. Mon cher, cher, trop cher. Et alors, c'est un poster d'une performance de Metatone. Alors, une tragique histoire entre deux amours, nanananana. Alors, c'est le temps de la performance. Oh. Oh, c'est humain. Que ça peut être mon unique amour. Alors, je vous le montre pas, mais comment sur la fenêtre, là où il y a marqué le nom du jeu, c'est marqué Undertale the Musical. c'est n'importe quoi quand même. Oh, le roi monstre. Pardonne. Les humains ne peuvent vivre ici, enfin je sais pas quoi. Même si il brise mon cœur, il va te mettre dans un donjon. Et ça pue et tu vas mourir beaucoup de fois. C'est vraiment triste. Et tu vas mourir. Non, je vais pas mourir. Laisse-moi tranquille. Non. Pleure. Ce qui se passe, c'est trop triste. Steve. Oh, la petite étoile est filante. C'est triste. C'est triste que tu vas devoir aller dans ce donjon. Oh. Oui. Oh non. Qu'est-ce qu'il va faire? Mon amour a été envoyé dans le donjon. Le donjon avec un puzzle tellement... d'astardly. Je sais pas ce que ça veut dire. Mon amour va sûrement périr. Oh. Même pas un merci. Ce horrible labyrinthe de tile, purée. Merde. Tile. Oh, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Ah, purée. De panneaux de couleurs. Et chaque couleur a une fonction sadique. A sa propre fonction sadique. Par exemple... Un carreau vert va faire un bruit et tu vas devoir battre un monstre. Et les rouges vont... attends, une seconde. N'as-tu pas vu ce puzzle une centaine de pièces avant? Ah, donc tu te rappelles de toutes les règles, n'est-ce pas? Enfin, je ne vais pas faire perdre ton temps à les répéter. Oh, et tu devrais peut-être te dépêcher. Parce que si tu ne l'as pas passé dans 30 secondes... Oh. Tu vas être incinéré avec des jets de flammes. Mon pauvre amour va... Alors, je suis... Nanana, je ne peux pas m'empêcher de rire. Bonne chance, mon cher. Vite.
Ah merde. Oh shit. Oh, je suis désolé, il semble que tu n'as plus de temps. Alors, les flammes viennent ici, mon cher. Ça se rapproche. Ça se rapproche encore, oh mon... À une minute. À la minute. Hein? Attention, je vais te sauver. Je vais hacker le mur de feu maintenant. Oh non, qu'est-ce qui a pu se passer? Encore battu par le brillant docteur Alphys. C'est ça. Alors. Allons, Métatone. Abandonne maintenant. Tu ne seras jamais capable de nous vaincre. Alors. Pas depuis que nous travaillons longtemps ensemble. Bon, tes puzzles sont terminés. Maintenant, rentre à la maison et laisse-nous tranquille. Les puzzles, fini? Alphys, mon cher, qu'est-ce que tu es en train de parler? Alors, est-ce que tu n'as-tu pas oublié ce que les cœurs ouverts font? Ça fait un bruit et tu vas devoir battre un monstre. Et mon cher, ce monstre, c'est moi! Non, je veux pas le combattre! Ah, c'est ça, mon cher, dis au revoir! Oh, c'est ton téléphone, tu devrais y répondre. Ah. Ça semble malheureux, mais ne t'en fais pas. Il y a une dernière chose que j'ai installée sur ton téléphone. Vois-tu ce bouton jaune? Alors, va sur le acte du téléphone, dans le menu acte du téléphone, et appuie dessus. Oh. Maintenant, appuie sur Z. Oh, classe. Oh. Oh. Tu m'as battu. Comment c'est possible? Tu dois être plus fort ce que je pense, etc. Enfin, bref. Oh, mais il me semble que tu l'as battu. Waouh, tu as fait du bon travail jusqu'ici. Ça ne sonne pas étrange, hein? Est-ce que je peux te demander quelque chose? Alors, avant que je t'ai rencontré, je ne pensais pas... Alors, nanana, for a long time... On s'en fout, nanana... Oh, c'est trop... Oh, en gros, elle a dit qu'avant de nous rencontrer, elle savait pas quoi faire de sa vie, enfin de sa vie, non. Qu'elle savait pas quoi faire et tout, et que le fait de faire, de compléter beaucoup de puzzles, l'a rendu bien dans sa peau et tout. Enfin voilà quoi. Hey, est-ce que tu te souviens de mon nom? Quoi? Tu t'en rappelles? Comment j'ai pu me faire battre aussi facilement? Ok, mais pourquoi pas? Ah! Petit moment de calme. Ah! Alors, excusez-moi, je m'étire un petit peu. Ah! Alors, attendez, vous risquez peut-être d'entendre des craquements de tête.
Ah, je suis vraiment désolé. Ah, attendez, je m'installe bien. Hop, voilà. Ah, attends, je suis vraiment désolé, je profite de ce moment de calme. Alors, veuillez sélectionner un étage. Nanana. Et ben, le troisième étage à droite. À gauche. Oula! Attends, je sais plus, ça veut dire quoi, right or left ou quoi. Oh. Eh hey mais je suis retourné à cet endroit. Je dois pas aller là. Merde, je me suis trompé. Je me suis gouré. Je me suis gouré. Je crois qu'il faut pas que je prenne l'ascenseur. Oh mais le boulet! Le boulet! Mais je suis trop con. Mais non, je suis bête. Faut que je prenne les escaliers. Voilà. Hein? Hey! Va dans cette allée un peu qui fait peur et faire de bonnes affaires. Ouais. Non, c'est pas intérieur. Non. Oh, bah c'est un magasin. Bah on va prendre la clé mystère. Hein. On va vite retourner. Je crois, alors, si je dis pas de bêtises, cette clé, comment? Cette clé ouvre la porte, ouvre une porte dans les waterfalls. On y va vite fait voir ce qui se passe. Je suis vraiment désolé, mais c'est juste pour voir parce que je ça me titille un peu de voir ce qui se passe. Voilà, hop, on va là, on parle à lui, nanana, c'est le Riverman, White de Boat, on va à au Waterfall. Alors. Ah, ouais. C'est tout. Alors, reviens me voir. Non, c'est pas là. Mais on doit pas y aller maintenant. Je me suis trompé. Alors, c'est bloqué. Alors, tu utilises Mystery Key et la maison rouge, la porte de la maison rouge est ouverte. Et la clé a disparu. Ah, ah mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est dans moi? Ouais. Ouais. Blue Key, je sais pas qui c'est peut-être c'est tout? Parce que là il y a une fenêtre qui est entrouverte et elle m'intéresse là, non? Bon, bah, peut-être pour plus tard, hein. On y retournera plus tard. Hein. Je suis vraiment désolé de ce petit détour, mais il fallait que je voie ce que c'était. Il fallait vraiment que je voie ce que c'était. Donc voilà. Ah. Alors, du verre dire du roi de boat. Allez, c'est parti. On retourne au Outland. Alors, c'est parti. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? C'est un clin d'œil à Mother 3? Hein? Dites-moi. Ah là là, le village des Timmy. Alors, la pièce avant le... La pièce des lanternes qui font du noir. Ouais, je crois que c'est un clin d'œil à... C'est, il me semble, c'est un clin d'œil à Mother 3.
D'ailleurs, Mother 3, jeu que je compte faire en playthrough. Par contre, je tiens à dire que ça sera peut-être un playthrough non commenté. Ou très peu commenté, mais je m'arrête pas sur les dialogues, parce que comme le jeu est entièrement en anglais, avec mon anglais un peu pitoyable, ça risque de prendre beaucoup de temps, et beaucoup d'épisodes surtout. Mais c'est un jeu que je compte faire des vidéos dessus. Donc on retourne ici. D'accord. Tac 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 tac. Il y a le gars qui vend des glaces. Il y a Sainte. Alors, c'est juste un mur régulier. Un mur banal. Mais c'est une relaxing atmosphère. Est-ce qu'ils vendent des trucs là-dedans? Welcome, alors bienvenue dans le MTT, dans le Emporium Burger, en gros le McDo quoi. Maison du Glamburger. Ah non 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 non. G, t'es sérieux? C'est bon. Oh. Alors pourquoi ces personnes essayent de me vendre quelque chose alors que me vendre quelque chose, c'est un fast food. J'essaie de survivre. Ouais. Voilà. Quoi que tu veux me parler? Désolé. Alors j'ai envie d'être un acteur. Ouais, tu me fais un peu peur, on s'en va. Ok. Et ça fume des clopes, hein? C'est pas bien de fumer. Pas bien de fumer, les enfants. Alors, 200, une pièce intéressée. On reviendra peut-être plus tard, on va se faire des sous avant. Hein? Mais qui ils sont? Mais personne d'autre n'est supposé être là. Enfin bref. Non non non. On va se faire. S'il y a des combats, on va se faire des sous. Alors prends l'élévateur. L'élévateur. Prends l'ascenseur pour aller en haut du cœur. Alors, l'ascenseur ne marche pas. Hein? L'ascenseur devrait marcher pourtant. Enfin, va à droite et continue tout droit. Ok, oublie, essaye d'aller à gauche. Ok. Tu dois sans doute passer. Hein? Attention! Oh, mais qui c'est? Ça. Oh, mais ça se bloque. Allez. Wow! Esquive! Non, 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 aïe. Tiens. Oh, c'était proche. Et pourquoi il y a autant de monstres ici? Enfin, ce n'est pas mon problème, hein. Il n'y a pas de problème. Et tu vas devoir rester avancé. Allez.
Alors, it looks like you can proceed the switch, but the laser will activate when you do. Orange, orange, bleu, bleu. Orange, orange, bleu. Ouf. Oh, le piège, c'était l'inverse. Oh, le salaud. Hein? Oh mon dieu, est-ce que ça va? Oh, je suis désolé, je t'ai donné le mauvais ordre. Enfin, tout va bien, n'est-ce pas? Allez, continue d'aller à droite. Okay. Alors, ah, un croisement. Alors, essaie d'aller à droite. Et merde. Piégé. Night night. Qu'est-ce que c'est? Talk. Oh, va sing. Alors, tu chantes la. Oh, un chant de sirène. Night night commence à s'endormir. Good night. Ah, énorme. Ah, pas mal le petit jeu de mots. Waouh! Waouh, 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 what? Aïe, 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 ça fait. Aïe! Purée, ça fait mal, oh! Tiens! Voilà, dors, connard! Boum! Oh, est-ce que ça va? Alors, pourquoi n'es-tu pas allé à droite? Oh, maintenant, crois-moi! Faut qu'on croive, oui, bien sûr! Oh, des lasers! Merde! Plus de lasers! Ok, alors je vais désactiver les lasers pour que tu puisses passer. Hein? Ne se coupe pas. Oh, je ne peux pas les couper. Ok. Ok, ok, c'est bon, j'ai tout sous mon contrôle. Je vais plutôt couper l'alimentation. Et tu vas pouvoir passer à travers. Ok. Vas-y. Ouais. Wait. Attends, stop. Hein? L'énergie, c'est remis tout seul? Ah mince, c'est pas supposé se passer comme ça. Je vais le couper à nouveau. Et quand c'est coupé, bouge un petit peu et après arrête-toi. Ok? Ça ne devrait pas te blesser. Oui. Tu vois? Je t'avais dit que j'avais tout sous mon contrôle. Tout sous mon contrôle. Alors, je ne dois pas... Oh mince, ma carte. Je suis désolé, je dois y aller. Ok. Bon. Bon. On a bien avancé. On a atteint le cœur. On a atteint le cœur. Comment dire, on avance doucement mais sûrement vers Asgore. Plus ça va, plus c'est bon. C'est good. Comment dire, ça va être l'heure d'arrêter l'épisode. Je suis vraiment désolé. Il est à l'heure que je tourne l'épisode, il est 23h. Je suis un peu dans le coltard et je suis un peu fatigué. Mais voilà. Donc on va mettre fin à l'épisode. je vous fais à toutes et à tous des bisous et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 13 de Undertale. Et ciao.